Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Mr. Fox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode 20 de notre let's play sur Jack 2. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. La dernière fois on s'était laissé à l'usine machin truc où on avait bolossé tout simplement Crew et nous devions aller ici. Alors pourquoi nous devions y aller, je ne sais pas, moi je ne m'en souviens pas, donc allons voir ce qu'il se passe là-dedans. En tout cas j'espère que vous allez bien. Crew a mis quelque chose dans cette machine qui le rend vraiment nerveux. Quoi que ce soit, Crew n'en aura plus besoin. Il n'est pas, comment dire, très en forme ces jours-ci. Pousse-toi de là, Jack. Laisse donc faire, mais pas d'artiste. Tu es une vraie bête, tu sais. Oh là là. Ah mon dieu. Ok. Alors ça va être chiant. Bien joué. Ça, c'est le genre de jeu où il faut des réflexes comme ça. Je suis nul à chier. Ça y est. Aïe, bah oui, mais j'ai pas fait exprès. Continue, Dastel. C'était pas le bon. Oh, mais tu me fais chier aussi. Allez, allez, allez. Si près du but. Ah, mais ça me perturbe, ça me perturbe. Putain, s'il y avait marqué le logo, en vrai, j'y arriverais mieux, mais... Comme c'est pas marqué sur le truc que c'est, ça me... Genre, des fois, je fais carré alors que c'est le truc de droite... Aïe. Ah fuck, mais... Mais j'ai... Il faut combien de scores? Putain, je suis à 1020, faut aller où? Putain... 1500? C'est possible ça? Mais genre... Ok... Ne frappe pas les rouges. Putain, mais je suis vraiment un boulet... Essaye encore. Mais... Je suis nul à quel point? Mais putain, mais c'est... Mais pourquoi j'arrive pas à faire un jeu de merde comme ça, quoi? Mon cerveau, il confond le truc de gauche et le truc de droite, du coup j'appuie sur carré alors que c'est avec la flèche qu'il faut faire. Putain, merde! C'est pas humain de faire des trucs comme ça, là. Quand y'en a pas trop en même temps, ça va, mais quand ça commence à... Oh! Calmos, hein! Ça y est, là je suis perdu là. C'était pas le bon. Ah oui, parce qu'on a le droit qu'à 3 fautes en plus, c'est ça le merdier. Oh. En plus c'est random, ça fait jamais la même chose. Donc c'est vraiment, tu peux même pas te mettre le schéma dans la tête, c'est random. Donc c'est juste débrouille-toi quoi.
Là, vous voyez, j'ai bugué, concrètement. Non. Ah, putain! Putain, mais c'est pas compliqué, pourtant. Pourquoi est-ce que je bug à ce point sur un truc de merde comme ça? Aïe. Allez, essaie encore. Ah mais quoi? Mais pourquoi? Mais je comprends même pas pourquoi je perds. C'est quoi ce jeu de merde? Mais sérieux? Mais ta mère la pute aussi, à toi la grosse salope. Oh, mais c'est chiant, merde, je sais pas pourquoi je perds, je ne sais même pas pourquoi je perds. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse au bout d'un moment? Je sais même pas ce qui me fait perdre. Non. Et voilà, j'ai loupé. Ah, mais ta mère, la pute! Ne touche pas à cela, Dexter. Si près du but. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Je comprends pas. Attends, laisse-le passer. D'accord, j'ai compris. Vous pouvez pas le dire que c'était les erreurs marquées en haut à gauche, là? Enfin, les trucs qu'on laissait passer, surtout. Ah, putain! Je sais que c'est pas logique, cerveau. Je sais que c'est pas logique d'appuyer à droite quand c'est à gauche, mais fais avec. Fais avec, putain. Putain, mais voilà, là j'ai... Ah! Tu as touché un mauvais métal aide. Ah! Je pense qu'on a compris comment il marche le jeu, c'est bon! Putain, c'est chiant, merde! Non, c'est là-bas, je t'ai dit, c'est à droite, mais c'est rond quand même, c'est pas grave. Cerveau, arrête de faire chier. Réfléchis pas. C'est facile, il y a 4 boutons, il y a 8 boutons, c'est un de chaque côté. Putain, ça me tue à quel point... Voilà, je suis perturbé par ce truc. Mais non! Mais putain! Elle m'a dit tu y es presque, moi j'étais là en mode c'est fini, putain, mais tu pètes les couilles toi aussi! Et vraiment, je ne parle pas, mais c'est parce que ça me demande une concentration ce jeu, mais je comprends pas, c'est aberrant à quel point je... Mon cerveau bug, quoi. C'est aberrant. Fuck. Ça y est, j'ai bugué, 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 ça y est, j'ai bugué. Mais... Ah! J'avais besoin d'exorcisme. Cerveau, arrête de bugger. Sépare cet écran en deux et sépare ta manette en deux aussi. Ne frappe pas les rouges. Si tu croyais que je faisais exprès, connasse. J'allais pas appuyer sur ça, mais c'est pas grave. Oui, je sais. Ça suffit. Cerveau. C'est la flèche de droite, je suis d'accord, mais sur l'écran, ça correspond au milieu à gauche, même si c'est la flèche de droite, ok? Je comprends que c'est bizarre. Je comprends, cerveau. Je comprends, tais-toi. Je comprends. Mais ça correspond. Alors, s'il te plaît, tu t'arrêtes et tu le fais bien. Merci.
Le pire, c'est qu'au début, ça va. Au début, ça va. Mais quand ça va vite, ça va plus. Et j'ai vraiment l'impression d'être un débile, du coup, de passer pour un énorme débile, parce que j'arrive pas à faire ce jeu qui, pourtant, semble si simple. Voilà, c'est à partir de là que je bug à chaque fois. Non. Mais, putain, mais non. Touche pas à cela, Daxter. Fuck. Mais fuck, il me manquait 70 points. Mais j'en peux plus. Mais quel jeu de merde. Mais c'est pas possible de faire un jeu comme ça de merde à ce point. C'est long, là, non? Oui, tu as gagné. Oui, putain. Si le vrai Metalheads débarquait en ville, je les massacrerais exactement comme dans le jeu. Daxter? Il me supplierait, ne me faites pas de mal. Et je ferai trop tard, tas de ferraille. Faites vos prières. Tu vois le tableau? Jack, je crois que ces trophées ont bougé. Des Metalheads! Mais où est passé Sig? Sig? Crew l'a envoyé pour une dernière mission. Une histoire de clé rubis de mare destinée à ouvrir une porte dans le port souterrain. C'est bien sûr. Dax, il faut qu'on aille au port souterrain tout de suite. J'apporterai la carte du temps à Kiera. Soyez prudentes, mes mignonnes. Votre héros revient tout de suite. Ouais, Ah, bonjour. Le mur protecteur est tombé. Je répète, le mur protecteur est tombé. Sabotage. C'est un coup de corps. Je le savais. Les métalettes seront ma peau. Ils en ont rien à foutre, les gardes, que je tue leur vaisseau au moins. Bon, alors si vous le permettez, bah du coup je vais en profiter pour faire le plein de balles, moi. Ok, j'ai besoin de balles bleues et de balles rouges et. Je sais plus parler, voilà. Oh, il y en a un invisible. Alors, la porte, elle est là, je sais. Oh putain, j'ai cru qu'il allait me tuer, moi. Mais regardez comment ils en ont rien à foutre. Oh, arrêtez-vous là! Je sais que c'est pas intéressant ce que je fais, je sais. Putain, mais y'a plus de gardes dans cette vie ou quoi, là? Eh, hey, mec! Oh putain, je suis tombé. Et comment je remonte, maintenant? Ah merde, c'était un vaisseau de garde ça aussi. Voilà, je suis plein. Je suis assez trousse. Phew. Allez, quand on voit ça, on sait que ça va être l'horreur. Thank you.
ne sais absolument pas où il faut aller. Oh, mais fuck, putain. Mais aussi, quelle idée de foutre des mines comme ça, là. Putain, c'est vraiment des niveaux de merde, ça, mais j'en peux plus, quoi. Entre les mobs que tu peux pas toucher parce qu'ils te tuent, forcément, et les boules que tu peux pas vraiment esquiver parce qu'elles vont dans la même direction que toi, mais ouais, les métalettes chelous, poulpes, là, je sais pas quoi, là, qui nous électrifient, je peux rien leur faire, hein. S'ils ont décidé de me tuer, ils me tuent, hein. Ah bah oui, bah bien sûr, vas-y, pète-moi dessus. Je te dirai rien. Je n'ai aucune idée de comment on peut les éviter. Vraiment. Aucune idée. Aucune. Déjà que les boules, c'est déjà suffisamment chiant à éviter. Voilà, je sais pas. Là, ça a marché, mais tout à l'heure, ça marchait pas. À boire. Déjà tellement mieux quand on n'est pas dans l'eau. J'ai envie de rester là, à la limite. Eh ben oui, eh ben bien sûr. Le seul moyen de les tuer, c'est de les tuer. Le seul moyen de ne pas avoir de dégâts, c'est de les tuer. Sauf que si tu les tues, tu tombes dans le vide. Bah ouais, super, bien sûr. C'est vrai que j'avais oublié que c'était un jeu conçu pour les enfants. Restez au fond, vous. Ne vous préoccupez pas de moi, hein, vraiment. Putain, mais je suis bloqué par du corail, quoi. Mais nique-toi, au bout d'un moment. Là, elle, on est obligé de se la prendre, de toute façon. Chou. Putain, j'aimerais pas être plombier dans cette ville, hein. Et là, cette fois, ils en ont rien à foutre, ils sont même pas à côté du pont. Je ne sais pas où il faut aller. Oh putain, c'est là. Quelle ville de merde. Salut l'ami. Hé, hey, ramène tes flèches vite fait et sors ton arme. Il m'a piégé, les gars. Crew m'a envoyé ici pour ouvrir de vieilles portes avec la clé rubis que vous avez trouvée. Une fois ouverte, un troupeau de metalheads est sorti de la ville et m'a foncé dessus, comme s'il m'attendait. En voilà un. Crew est mort. Ah oui? Tant mieux pour lui. Je lui gardais un chien de ma chienne. Les metalheads ont dû promettre beaucoup à Crew pour qu'il trahisse toute la ville comme ça. Dégageons d'ici. En fait, ce que Crew a pas compris, c'est que les métalettes, je l'aurais tué, en fait. Enfin... Si j'arrive pas à le flinguer, je te refile le bébé. Toi, tu te charges d'eux. Moi, je veux pas que tu me refiles le bébé. T'as entendu ça?
tire dessus, ça va le rendre dingue. Cours. Et je croyais que t'étais un guerrier intrépide qui n'avait peur de rien. Pourquoi tu cours? Remue tes fesses. Oui bah toi t'as pas ta caméra qui est bloquée sur le truc hein. Toi tu vois où tu vas. Non mais... je meurs. Je meurs pas. Merci Sig. Sympa. C'est la dernière fois qu'on entend parler de lui. Je te laisse te débrouiller, mon grand. Ok. Toi jouer, mon grand, fais ça bien. Rentre chez nous. Tu t'en charges. Moi, je te couvre. Ah, on peut pas aller par là? C'est pas tout ça là, moi. Ça va, il est en train de mourir. Ah, rebonjour. Il est revenu vite, je trouve. Oui, j'ai compris, c'est bon. Ça va être chaud. Mais non, pourquoi ça serait chaud? Parce que je suis en train de tomber. Adieu mon chou. Continue. Bah, ça tombe. Boum. Juste un tour dans le parc. Allez, on est presque à l'ascenseur. Eh bien, on dirait tu t'y connais bien pour quelqu'un qui ne connaît pas cette ville, je trouve. Désormais, vous êtes de vrais renégats. Je pense qu'il est temps d'affronter le chef des Metalheads maintenant. Quel beau trophée il fera. Il faut trouver le moyen de doper le vieux pétard de marre et boum, bébé, on fait sauter le nid. Ouais. Et on s'occupe d'eux ensemble, toi et moi, côte à côte. Rien ne nous arrêtera. Sar, pourquoi tu t'es mis en plein milieu du pont qui donnait sur la mort? Ah, Sig. Renégat, mais pas très fut quand même. Hein. Bon, bah, il est mort. Moi, je l'aimais pas trop en même temps, Sig. Je m'en fous. Bon, il était quand même mieux que Crew, hein, on va pas. Voilà. On va pas chier dans la colle, comme on dit. Mais bon. Super, Grenagarde. Merci. Et bien les amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode de Jack 2. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Quant à nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette série de Jack 2 qui sera peut-être le dernier ou peut-être pas le dernier, je sais pas encore, mais on a l'air d'approcher tranquillement de la fin, donc j'espère encore une fois que ça vous a plu et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à plus et portez-vous bien.